Quinzaine littéraire ici à Val d'Isère, du ski bien sûr, mais de la littérature, grâce à l'association Vivre Livre, que l'on connaît bien, animée de mains de maître et de mots de maître par Jean-Paul Chaffran, avec comme président notre ami le fleuriste qui doit être quelque part par là. Première invitée de ces quinzaines littéraires, Carole Martinez, que nous avions déjà reçue il y a 2 ans. Bonjour Carole. Bonjour. Vous allez bien ? Ah bah, c'est très bien, il fait beau, c'est génial. Alors nous voilà dans un cadre assez radieux, celui de l'hôtel Les Barmes de l'Ours. J'imagine que vous êtes allée au ski aujourd'hui ? Eh bien non, je suis arrivée trop tard. Comment ça ? Non, non, mais j'ai profité de la piscine, c'était chouette. Demain, ski pour tout le monde, c'est obligatoire ici à Val-d'Isère. Pas de doute, hein. Je skierai demain, enfin j'espère. Vous êtes venue en famille ici à Val d'Isère ? Oui, je suis venue avec ma fille. Malheureusement, mon fils devait venir, mais il est tombé malade. Donc voilà quoi. Ce serait dommage de le laisser enfermer alors qu'il fait si beau d'une part et que le ski est vraiment formidable en ce moment. Ah ouais, j'ai l'impression là, je suis impatiente. Carole Martinez, vous êtes là à l'occasion de cette quinzaine de littérature. Tout d'abord, vous connaissez Val d'Isère, vous connaissez l'association, le principe de l'association des rencontres littéraires. Est-ce que c'est un principe qui existe ailleurs qu'à Val d'Isère, vous qui avez l'habitude probablement de faire des rencontres avec vos lecteurs ? Principe, c'est-à-dire de rencontrer comme ça des lecteurs. Ah oh oui, ça existe ailleurs. Il y a des, par exemple, en Franche-Comté, il y a une sorte de tournée qui est organisée qui s'appelle Les Petites Fugues, qui est extraordinaire. Et on se promène partout dans le Jura, dans le Doubs. On va voir des libraires, des bibliothécaires, des lycées. Non, il y a des choses qui sont très très bien, qui sont organisées à travers la France pour les livres et les auteurs. C'est assez incroyable parce que moi je connaissais pas tout ça avant d'écrire moi-même, et il y a énormément de rencontres qui sont prévues, de lieux où on peut voir ses lecteurs en chair et en os, parce que l'auteur est un être virtuel, mais le lecteur aussi finalement. Nous on ne sait pas du tout à quoi vont ressembler nos lecteurs, et la première fois qu'on rencontre des lecteurs inconnus, pas nos amis, c'est quand même assez étrange. Est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est le même trac que l'artiste quand il rentre sur scène? C'est le même trac, hein. c'est la même peur. On ne sait pas ce qu'ils en ont fait de notre livre. Et le principe de l'écriture et du roman, c'est vraiment ça, c'est que nous, on donne quelque chose, mais c'est une sorte de trame, c'est plein de trous, c'est absolument incomplet. C'est ensuite le lecteur qui crée son œuvre. Alors justement, est-ce que vous avez découvert des choses qui était passé un petit peu au travers lors de l'écriture du bouquin, des visions de votre bouquin, de la part des lecteurs, des choses qui sont un petit peu différentes de l'idée que vous vous en faisiez en écrivant le bouquin ? Plein, énormément. Énormément quand on entend son livre raconté par quelqu'un, par un lecteur, qui ne sait pas qu'on est là par exemple. On entend un autre livre, mais c'est ça qui est merveilleux, c'est de voir qu'on a été capable justement de créer une petite mécanique imaginaire et quelque chose qui permet à chacun, avec sa sensibilité, avec son histoire, avec ses fils affectifs intimes, en fait, de créer une histoire différente. Ça qui est... Alors on maîtrise en partie la lecture d'un lecteur, mais plus ou moins. Je pense que par exemple quand on travaille une nouvelle à chute, donc une nouvelle dont la fin éclaire complètement différemment toute la nouvelle, là on mène son lecteur par le bout du nez. Donc là on sait exactement où est-ce qu'on veut l'emmener, il y a des trappes, il y a des pièges, vous voyez, donc on sait exactement par où il va passer. Mais si on lit de la poésie, la poésie ça part en étoile, ça permet un nombre d'interprétations absolument incroyables, ça permet un nombre de créations fabuleuses, et c'est ça, enfin, moi j'aime bien me taire et laisser un petit peu de blanc que chaque lecteur va remplir, et donc c'est très agréable. Enfin, après, je suis jamais tombée sur des lectures qui me rebutent, quoi. Enfin, vous voyez, où je me dis, oh, mince, non j'ai pas écrit ça. C'est toujours plutôt une belle surprise. Vous êtes romancière, vous aimez la poésie aussi, vous écrivez de la poésie, je crois, et c'est deux arts différents ? Je pense pas que je sois vraiment poète. J'ai commencé par écrire de la poésie, mais c'est une activité très intime pour le coup. Donc c'est pas quelque chose que vous ne partagez pas alors. C'est pas quelque chose que je partage. C'est pas quelque chose que je partage. Je pense. Non, je me sens plus et romancière et conteuse que poète. En revanche, je travaille la langue et j'aime ça. Après, on dit que j'ai une écriture poétique, ça me fait infiniment plaisir.
Peut-être que oui, dans ces blancs, dans ces façons de se taire. C'est drôle, par exemple, dans Le Cœur Cousu, mon premier roman, j'avais une robe de mariée. Tout le monde disait, enfin, les lecteurs m'ont toujours dit, ah là, là là, cette robe de mariée, quelle magnifique description, quelle magnifique robe. Et non, elle n'est pas décrite. Elle n'est pas décrite. Donc, elle est belle parce que justement, chacun peut la fabriquer, la concevoir. Donc c'est et le lecteur s'en rend pas forcément compte qu'il la conçoit, qu'il la fabrique, qu'il la coud, qu'il la dessine lui-même. Dites-moi, vous êtes venu il y a 2 ans pour Le Cœur Cousu, hein, que l'on voit là, édité chez Gallimard. Prix Renaudot des lycéens. Oui. Vous revenez cette année avec Du Domaine des Murmures. Prix Goncourt des lycéens. C'est quoi cette manie avec les lycéens? Ah ouais, non, c'est incroyable. Hein. Non, mais je vise pas spécifiquement les lycéens, mais les lycéens m'aiment beaucoup. Ils s'ennuient pas dans ce que j'écris, donc ça me fait plaisir. Et ils aiment mon écriture qui disent justement poétique. C'est assez surprenant parce que pour Du Domaine des Murmures, vraiment, j'imaginais pas du tout plaire à cette classe d'âge. On n'imagine pas son lecteur, hein. C'est ça aussi qui est surprenant quand on le rencontre, c'est qu'en fait il est très différent et il se trouve que j'ai la chance d'écrire des choses qui plaisent à des lecteurs de toute classe d'âge, hein. Et ça, bon, c'est vrai que c'est un vrai plaisir, hein. Donc j'imaginais pas du tout avec une histoire d'une recluse au XIIe siècle, j'imaginais pas plaire aux lycéens. J'ose plus raconter l'histoire de votre bouquin parce que je vais en faire une interprétation qui n'est peut-être. Grosso modo, si on résume en 2 mots, on échappe à la tyrannie d'un maître alors qu'on a la volonté de solitude et de rentrer dans les ordres, c'est ça? C'est un peu ça. Oui, c'est une jeune fille de 15 ans qui décide de désobéir à son père, de ne pas épouser le seigneur qu'il avait prévu et de dire non, c'est impossible normalement. Donc elle, comme elle est très intelligente, elle organise tout ça. Il y a toute une mise en scène qui fait qu'on peut pas, lui refuser. Elle décide de devenir recluse, donc d'être emmurée vivante jusqu'à sa mort dans un tout petit espace, une petite cellule, et avec une fenestrelle à hauteur de visage. Et elle fait ça parce qu'elle croit, et puis par rébellion. Pour elle, c'est une façon. C'est la première fois qu'elle prend la parole. Elle dit non, et ensuite, sa parole va avoir un sens, va être écoutée, elle va avoir de plus en plus de pouvoir. Et c'est une prise de pouvoir réelle qui va se passer tout doucement. La seule chose, c'est qu'elle pense qu'elle va vraiment avoir une relation à Dieu, qu'elle va être solitaire, qu'elle va être toute prière et partir pour un voyage vertical. Et puis c'est pas du tout ce qui va lui arriver. C'est pas du tout ce qui va lui arriver parce qu'elle va rencontrer énormément de gens. Elle qui était bien gardée par son père et qui voyait personne. Énormément de gens vont passer devant sa fenestrelle, vont lui demander conseil. Elle va avoir une réputation de sainte. Donc elle va déplacer les foules. Et déplaçant les foules, rencontrant tous ces gens qui lui racontent des tas de choses intimes, qui lui demandent des conseils, elle va se détourner de Dieu progressivement pour s'intéresser aux hommes. Et bon, il va lui arriver quelque chose aussi dans ces 4 mètres carrés là, qui fait que la chair, sa chair, qu'elle pensait pouvoir oublier, va prendre une importance colossale. Et là, en fait, cette réclusion, une sorte de voyage. Du Domaine des Murmures, donc. Dites-moi, Carole, avant d'être écrivaine, vous êtes passée par pas mal de métiers. C'est ce que j'ai vu dans votre biographie. Et des métiers extrêmement variés. Je voudrais savoir comment on fait pour arriver à obtenir des prix, de devenir écrivaine, alors que finalement, c'était des métiers qui n'avaient... Bon, vous êtes prof de français, certes, mais auparavant, vous avez eu des métiers qui n'avaient rien à voir avec l'enseignement ou le français ou la littérature. Je ne suis pas sûre, hein, parce que j'ai commencé par faire du théâtre, juste oui, après un bac scientifique. Bon, mais j'ai fait personne n'est parfait, alors. Mais j'adore les sciences, hein, ça me passionne. J'ai commencé par faire du théâtre et il se trouve que c'est grâce au théâtre que j'ai eu accès au texte. Enfin, j'ai eu des profs de français magnifiques, hein, quand j'étais au lycée, mais le théâtre, vraiment, enfin, quand on essaye d'être comédienne et qu'on apprend des textes sublimes, qu'on s'en imprègne, qu'on les dit, qu'on les...
qu'on essaye de les jouer, de les interpréter. Il y a une relation très particulière au texte. Et je pense que de ce métier-là, j'ai gardé beaucoup. Déjà, j'écris à voix haute, donc j'ai une relation musicale au texte. Je pense que même aujourd'hui, enfin, il y a deux facettes. Hein, il y a l'écriture, et puis après, il y a aussi d'aller à la rencontre de son public. Donc le théâtre me sert énormément aussi dans cette optique-là. Et puis après, j'ai fait de la sémiologie. Donc c'est l'étude des signes. Il se trouve que c'était... c'est autre chose. C'est pas de la littérature. Hein. C'est une autre musique. C'est un exercice d'intelligence qui est assez intéressant. Et tout sert en littérature. Tous les mondes qu'on peut traverser, tous les gens qu'on peut rencontrer, tous les... Moi, j'écris avec des bouts de ficelle. Hein, donc, il y a des choses, d'un coup, qui vont faire écho en moi. On va me raconter quelque chose. Je vais voir quelque chose. Et ça va créer un personnage, une histoire, entrer. Tout est utile. Vous savez, même quand j'étais gamine, en fait, j'avais un gros problème, c'est que je rêvassais. Mais je rêvassais des heures. Je pouvais rêvasser pendant 6-7 heures. C'était une passion, la rêvasserie. Je m'inventais des histoires et puis c'est trop simple. Alors je revenais en arrière pour avoir des obstacles, pour rendre la chose, corser un petit peu la chose. Bien, cette rêvasserie, j'aurais jamais pu imaginer que ça me serait utile en littérature. Jamais j'aurais pu imaginer que ça serait quasi mon métier de rêvasser. Vous voyez ? Bien sûr. Je pense que tout est utile et quand on voit un gamin dans son coin qui fait rien, faut pas s'inquiéter quoi. On ne s'inquiète pas. Vous avez des projets ? Je veux continuer. J'aimerais continuer à écrire. Donc j'ai... Alors c'est des ouvrages qui sont pas faciles. Hein. Je veux dire des histoires qui sont pas faciles. C'est pas de la comédie ce que vous écrivez. C'est intime tout ça. Le nouveau roman, peut-être qui est en gestation, sera dans la même trempe. Il se trouve que à chaque fois quand j'écris, j'ai toujours l'impression de rater. C'est-à-dire j'ai un projet et finalement je passe à côté du projet et j'écris autre chose. Donc du coup, il faut continuer pour arriver à un jour peut-être à écrire ce qui était prévu. Et là, j'avais du domaine des murmures et né d'une histoire contemporaine. Autour de Barbe Bleue, j'ai écrit le début d'un roman contemporain dans lequel une jeune femme écoute et entend les murmures de... normalement des 6 femmes qui l'ont précédée dans la vie de son mari et je voulais faire quelque chose en référence à Barbe Bleue, donc j'avais 6 portraits de femmes et 6 histoires de femmes. Puis comme je suis très très lente quand j'écris, j'ai changé mon projet en cours de route et je me suis dit que c'était plus intéressant de faire murmurer les 6 femmes qui l'avaient précédée dans le château. Et donc là, la première femme qui a commencé à murmurer, c'était Sclarmonde, qui l'a précédée dans le domaine des murmures. Et il se trouve qu'elle a murmuré sur beaucoup plus de pages que ce que j'imaginais, et qu'elle a mangé complètement le roman. Et qu'il y a une... elle est devenue l'héroïne, elle en est vraiment devenue l'héroïne, donc je lui ai donné le roman. Et maintenant, donc, le projet, ça serait de continuer, de faire murmurer mon deuxième personnage, et puis mon troisième, et en fait... d'avoir un quatrième roman avec cette femme contemporaine et tisser tous les murmures entre eux, puisque toutes les femmes viennent lui raconter leur histoire pour qu'elle puisse, elle, s'échapper et être la 7e femme. Donc voilà, donc l'objectif c'est de continuer et peut-être, si j'y arrive, et c'est très ambitieux, faire quelque chose qui serait de l'ordre d'une histoire romancée des femmes. Puisque je passerai à travers les siècles, comme ça, en dégageant à chaque fois une figure qui me paraît importante. Eh ben, très bien. Un passage important ici à Val-d'Isère, puisque nous sommes ici à l'hôtel Les Barmes de l'Ours, avec des rencontres littéraires qui vont se dérouler d'ici quelques minutes. Ce mardi, vous êtes à l'occasion d'un petit déjeuner au Crazy Barms, pour rencontrer ceux qui vous lisent et partager le petit déjeuner, prendre des vitamines pour la journée de ski, c'est bien, non ? Et puis ce mercredi, rencontre littéraire toujours avec vous, Carole Martinez. Cette fois-ci, ça sera à 17h30 à la médiathèque. Beaucoup de travail, dites donc, quand vous venez à Val-d'Isère. Hein ? Là, c'est étonnant, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, je n'imaginais pas qu'une fois que le livre était écrit, il y avait cette rencontre. Moi, je pensais qu'on écrivait, et puis bon, après, c'est terminé. Les lecteurs sont demandeurs de pouvoir discuter avec l'auteur quand ils ont aimé. Et ça, c'est,
C'est très drôle parce que, en fait, quand on écrit, on est dans une activité solitaire. Et après, c'est tout le contraire. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de rencontres pour le cœur cousu. Au début, je n'étais pas trop invitée. Puis après, ça s'est rattrapé au fil du temps. J'ai eu beaucoup d'invitations, plein de lycées, plein de... d'étudier au bac, enfin, bon, des trucs incroyables. Et du domaine des murmures, bon, là, ça a commencé fort tout de suite. Hein. Mais c'est comme si, finalement, il y avait une forme d'équilibre entre cette solitude de l'écriture et puis ce moment de rencontre, d'échange, de... Un peu tourbillonnant quand même, un peu tourbillonnant. Et puis quand on écrit, il y a un temps très très lent, alors que bon après c'est tout le contraire. C'est assez fou, un peu schizophrène, comme mais passionnant. J'aime les deux. Merci Carole. Merci. Et puis bon séjour à Val d'Isère. Merci beaucoup.